Ça vous choque d'abord ? Ben, ça me choque, oui, parce que c'est quand même un jeune joueur, même s'il est accrédité d'une très très belle saison au Paris Saint-Germain. Je trouve ça un peu irrespectueux, inconcevable de vouloir s'écarter à tout prix de cette liste parce qu'il faisait partie des réservistes. Après, Didier, il a fait des choix, forcément. Après, le résultat nous le dira s'il a fait les bons choix. Mais toujours est-il qu'il faut respecter. C'est un jeune joueur, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et voilà, après, je trouve qu'il n'y a pas de tels écarts à avoir aujourd'hui, que ce soit lui, que ce soit le match à Ajaccio-là. C'est vrai qu'on est plus préoccupé aujourd'hui à s'occuper de l'extra-faute que du sportif en lui-même. Et puis, je trouve ça un peu dommage pour l'équipe de France. Ça se refuse, le maillot de l'équipe de France ? Non, ça se refuse absolument pas. Après, comme je l'ai dit, il faut respecter. Et nous, en 98, on était 28, on est arrivé à 22. Forcément, les 6 qui étaient... donc, j'en avais un dans ma chambre, Saraoui Lamouchi, que je vois encore partir faire ses valises 20 ans après. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Lui, il était triste, c'est très dur. Après, on peut le comprendre, mais il faut prendre le recul nécessaire. C'est un jeune joueur, il a que 23 ans, et aujourd'hui, il pourrait postuler à un poste en équipe de France. Pas ce coup-ci, mais dans 4 ans, il pourrait y être. Mais voilà, il s'écarte tout simplement, et puis certainement, il va être sanctionné, ce qui serait logique.